Moi, j'aimerais vous parler ce soir de quelque chose qu'on a de très cher en Nouvelle-Calédonie. On a en Nouvelle-Calédonie quelque chose dont nous sommes tous très fiers, quelque chose dont on est tous d'accord de dire qu'on est très chanceux d'avoir. Vous avez une idée de ce que c'est? C'est notre environnement. Et comme tous les Calédoniens, je suis une Calédonienne attachée à ma terre et à mon environnement. Je sais que, peu importe nos origines, on a tous ce lien fort et particulier à notre terre et à notre environnement. Pour certains, ça va être la culture des champs, dans les tribus ou ailleurs. Pour d'autres, ça va être la vallée dans laquelle ils vont aller chasser. Pour d'autres encore, ça va être la mer dans laquelle ils vont pouvoir nourrir leur famille. On vit tous dans cet environnement et en fait, on se rend bien compte tous les jours que c'est un environnement qui nous est essentiel. Notre pays, il continue de se développer. Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que concilier développement économique d'un pays et environnement, ce n'est pas un travail facile. Et à Calédonie Ensemble, je pense qu'on s'en sort pas mal, qu'on a pas mal de réussites derrière nous. C'est Calédonie Ensemble qui a permis, grâce à son combat politique, d'inscrire nos lagons au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est Calédonie Ensemble qui a créé le Code de l'environnement. C'est Calédonie Ensemble qui a créé l'œil, Scalaire et beaucoup d'autres entreprises environnementales. C'est aussi Calédonie Ensemble qui a créé les comités de gestion et j'en passe de toutes les lois, de tous les dossiers, de tous les projets qui ont abouti grâce à Calédonie Ensemble. Et ce que j'aimerais dire ce soir, c'est qu'à Calédonie Ensemble, j'ai trouvé un parti qui s'est engagé à protéger cet environnement, notre environnement, et puis à toujours le mettre en avant. Et ce sont des choses qui sont super importantes. Le protéger, parce que c'est pour nos futures générations, pour que nos enfants puissent continuer de vivre dans le pays dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Et puis le mettre en avant aussi, parce qu'il faut connaître cet environnement. On ne peut bien protéger que ce que l'on connaît bien. Et moi, voilà, c'est pour toutes ces raisons, mais aussi pour beaucoup d'autres, que je me suis engagée à Calédonie Ensemble. Et j'espère aussi que le 11 et 18 juin aux législatives, vous renouvellerez votre confiance à nos Philippe. Et vous savez, moi je pense que c'est des mecs bien. Parce que vraiment, ils disent ce qu'ils font et ils font ce qu'ils disent. Et c'est avec des mecs comme ça qu'on ira loin. Je vous remercie. Merci Mandy.